de l'exploitation familiale à Paris, en passant par Cambridge en Angleterre. C'est toujours chez lui, en Aveyron, qu'il se sent le mieux. Arnaud Viala, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Vous buvez quelque chose? Oui, je veux bien un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Merci. Arnaud Viala, on vous surnomme le Kenyan de l'Aveyron. Pour quelle raison? Parce qu'on a un petit groupe de députés qui courront le mercredi matin. Alors ça m'amuse parce qu'en fait, je cours depuis 4 ou 5 ans, mais je ne suis pas d'un naturel sportif du tout. Donc ce surnom me fait sourire. Finalement, à contre-emploi? À contre-emploi, je me suis mis à courir tardivement, par désir de rester en forme, par besoin aussi d'évacuer beaucoup de tensions qui s'accumulent dans ce type de fonction. Et puis finalement, parmi les quelques-uns qui courront régulièrement ensemble, on va dire que je me débrouille pas trop mal. Vous vous surnommez « No pain, no gain » sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une devise, je pense, à laquelle j'adhère beaucoup. Je pense qu'il faut, faire des efforts dans la vie pour tout. Rien n'arrive tout cuit. Est-ce qu'il y a pas un côté com, finalement, autour de ce groupe? Vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous vous êtes créé ce petit mantra, enfin, vous vous êtes approprié ce mantra. On poste une photo et c'est un clin d'œil aussi au fait que même quand on est député, on a besoin de faire parfois autre chose. Pour moi, il y a surtout un côté un peu affectif, c'est-à-dire qu'avec ces gens avec lesquels on passe une heure tous les jours à faire autre chose que discuter d'amendements ou de dossiers politiques, on crée un lien. Et ce lien, il est intéressant. Bon. C'est sûr que c'est aussi parfois utile de pouvoir communiquer sur une autre facette. C'est important d'avoir finalement ce petit cocon dans Paris, ce groupe avec lequel vous vous retrouvez. Ce qui est important, enfin, moi ce qui parfois me donne un peu le blues, c'est que en étant entouré de monde tout le temps, quand on est dans ces fonctions, on vit en fait dans une très grande solitude. Parce que les relations humaines sont biaisées, parce que la sincérité réelle est rare, et que moi, parmi ces gens, il y en a au moins un ou deux avec lesquels je pense avoir une relation un peu plus fiable. Une relation de confiance, d'amitié? Est-ce qu'on peut être ami? J'espère. J'espère. L'amitié, le risque de l'amitié, c'est toujours d'être déçu, mais moi, je compte dans ce groupe, je pense quand même, nous deux amis solides. 59,16%, une victoire, symbole de résistance pour l'Aveyronnais Arnaud Viala. Dans la troisième circonscription de l'Aveyron, le député sortant, aux couleurs des Républicains, arrive en tête sur la quasi-totalité du territoire. Malgré une faible avance au premier tour et beaucoup de suspense, il conserve donc son siège et figure parmi les exceptions en Occitanie, submergée comme partout ailleurs par la vague En Marche. Vous êtes donc le rescapé de la vague LREM en Occitanie en 2017. Alors 2017, c'est vrai que ça a été un moment particulier politiquement. Moi, je sentais, parce que moi, j'ai fait une campagne de terrain, la circonscription dont je suis élu, c'est 120 communes. Et ces 120 communes, en 2015, avec mon suppléant, nous les avions passées une à une à la rencontre des gens et nous avons réédité l'exercice deux ans après, en 2017, et l'ambiance était complètement différente. Et donc on sentait le doute, on sentait le désarroi et on sentait la tentation de la nouveauté. On était au lendemain de la présidentielle. Et donc moi, dans l'équipe qui m'accompagne, je pense que j'ai été le plus... Alors certains diront pessimiste, moi je dis réaliste. Et je voyais qu'on était dans un contexte qui nous était archi défavorable. Au premier tour, on est arrivé très 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 légèrement en tête. Et la bascule s'est faite entre les deux tours. Une remise en question à l'époque chez les LR? Comment dire, je pense que la famille des Républicains a pris un coup de marteau sur la tête au moment de l'affaire Fillon, au moment de la présidentielle bien sûr. Je ne pense pas qu'au moment des législatives, en tant que famille, la prise de conscience était réelle parce qu'on était sonnés. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'un an et demi après, je ne suis pas encore certain que cette prise de conscience ait eu lieu. Et je veux essayer de faire bouger ça de l'intérieur. Il n'y a pas eu de tentation de départ? Non, moi me concernant jamais.
pas de tentation de départ, mais en revanche la volonté très ferme d'une sincérité et de rester finalement fidèle à ce que je pense profondément. Vous retrouvez les valeurs pour lesquelles vous êtes engagé à droite aujourd'hui ? Moi, les valeurs qui m'ont fait m'engager, je les ai toujours en moi. Il y a certaines prises de position, y compris très récentes, qui ne sont pas parmi ces valeurs-là pour moi. Lesquelles ? La PMA, la GPA, par exemple ? La PMA, la GPA, sur le fond, moi, mon opinion, elle est faite. Mais je crois aussi que la portée de la parole politique, il faut en être conscient tout le temps. Et il ne faut pas l'abîmer. Vous regrettez les paroles de Laurent Wauquiez ? Ah oui, vous les dénoncez ? Je les dénonce, je les regrette, je les condamne même. Ce n'est pas du tout ma façon d'imaginer le débat politique. Et ce n'est pas du tout ma façon d'imaginer une société où l'on se respecte et où l'on respecte ceux qui sont en charge temporairement d'incarner une vision, etc. et de faire vivre les institutions. Ça ne doit pas toujours être évident de le vivre de l'intérieur au sein de ce parti. Je pense que ce n'est pas évident de vivre un engagement politique quand on l'a en soi. Moi, il y a des jours où je me demande à quoi je sers, où je me demande quel est le sens de ce que je fais, où j'ai du mal à me dire qu'il faut se relever après 3 heures de sommeil, même si on a passé une nuit entière dans un hémicycle à essayer de faire passer une idée qui n'est pas passée, c'est sûr que c'est parfois difficile. Et vous en revenez toujours à votre village ? Ah oui. C'est celui-ci. Mon village, donc là c'est mon village, effectivement. Mon village qui est à 1 kilomètre de la ferme de mes parents, où je suis né. Et en fait, c'est cette terre-là du sud d'Aveyron, du Lévézou, c'est le plateau, qui m'a amené là où je suis. Je me rappelle ça tous les jours. Et puis qui fait que je continue d'y croire. Je vais vous raconter. Chaque fois que je rentre, donc je rentre par l'avion, et puis en voiture de l'aéroport à chez moi. Et je prends l'avion à Montpellier. Donc je traverse une partie de l'Hérault. Et quand je franchis le panneau sur l'autoroute, vous êtes dans le département de l'Aveyron. Je sens un premier soulagement. Et puis quand je franchis le panneau de mon village, là je suis bien. 3000 brebis rassemblées, plus qu'un symbole, il s'agit pour les éleveurs de montrer le nombre de bêtes tuées en 4 mois. 41 attaques ont été recensées en Aveyron en 2017. Ça crée un désarroi, ça crée des problèmes économiques, mais ça crée surtout une grande, grande détresse psychologique des éleveurs qui ont beaucoup, beaucoup de mal à vivre et à travailler sereinement avec cette menace permanente. Vous auriez pu être agriculteur, prendre la relève Je crois que j'aurais pu être agriculteur, oui. Je suis l'aîné de 4, donc tout le monde ne pouvait pas rester là et moi j'ai fait des études. Mais oui, et d'ailleurs au fond de moi, il y a toujours eu quelque chose qui m'a fait penser que ça avait été un moment de choix ou de non-choix qui aurait pu changer complètement ma vie. Vous avez fait le choix, vous venez de le dire, des études et d'aller étudier en Angleterre. Vous avez étudié le républicanisme anglais. Ouais. Oui. Alors quand on le regarde comme ça a posteriori, c'est vrai qu'il y a... J'ai surtout étudié, donc je suis agrégé d'anglais moi, et après avoir passé l'agrégation, tout naturellement je me suis intéressé à ça, et puis au phénomène républicain qui est peu connu d'ailleurs, en Angleterre au XVIIe siècle, c'est passionnant. C'est passionnant. Là aussi l'Angleterre a vécu un moment de choix qui aurait pu changer sa destinée. Moi, j'ai eu la chance de débuter ma carrière d'enseignant donc dans 2 universités prestigieuses en Grande-Bretagne, donc à Cambridge en premier, puis à Reading. Et quand je suis rentré en France, j'ai eu une autre chance, c'est de débuter ma carrière d'enseignant à l'université à Toulouse. Et je me souviens très nettement du premier jour, le premier cours, le premier jour, où j'ai fermé la porte de la salle de classe. C'était une classe d'étudiants de maîtrise. J'ai démarré le cours et je me suis dit, tu t'es trompé de métier. Et voilà à présent que l'un de vos plus éminents ministres rassemble des milliers de personnes, en marge, si je comprends bien, de sa charge, dont il a bien de la chance qu'elle lui laisse le loisir d'organiser des soirées. Alors, monsieur le Premier ministre, la représentation nationale qui a tant de fois essuyé vos accès de colère autoritariste se demande aujourd'hui, et vous demande, comment vous comptez conduire les affaires de la France pendant encore un an au milieu d'une telle cacophonie ?
Et surtout, quand vous allez enfin décider d'être un Premier ministre normal, à la tête d'un gouvernement normal, dont les membres ne s'occuperaient que des Français et n'auraient pour priorité que leurs emplois, leur sécurité, leur accès aux soins, leur pouvoir d'achat et l'avenir de leurs enfants. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, nous sommes dans une des séances de questions d'actualité qui touche bientôt à la fin de cette session et indiscutablement, un certain nombre d'entre nous ont vraiment besoin de vacances. Et donc, j'espère que vous serez dans une situation où tout ce qui vous aviez sur le cœur ne viendra pas à ce point troubler les propos qui sont les vôtres, car je les ai trouvés légèrement décousus et j'ai quelques difficultés à essayer de centrer ma question. Vous aviez dit Manuel Valls rire. Bien sûr, bien sûr. Là, on est clairement dans des moments où on est dans des postures. Parce que je me souviens très nettement de cette question et ce que je sentais poindre, moi, et d'ailleurs, je pense que dans mon groupe parlementaire, on ne me croyait pas quand je le disais, c'était la montée en puissance d'Emmanuel Macron. C'était donc bien avant les élections, ça. C'était le premier meeting, la première réunion d'Emmanuel Macron. Mais même avant ça, moi je me souviens un jour ici à la réunion du groupe où j'avais dit à mes collègues, surveillons ce qui se passe autour de Macron. Et Christian Jacob avait balayé d'un revers de la main en disant, il ne va rien se passer du tout autour de Macron, tu te trompes. Bon, force est de constater que Macron, aujourd'hui, a franchi les étapes. Mais je crois que quand on a le genre de réaction que Valls a eu ce jour-là, on crée quelque chose de négatif dans l'esprit des Français. C'est-à-dire que ce jeu de scène qu'est la politique par moment, qu'est singulièrement l'Assemblée nationale, surtout autour des questions au gouvernement, etc., il faut qu'il ait aussi ses limites. Et les limites, c'est ce qu'on affiche quand on atteint les valeurs que les gens projettent sur leurs élus. Il faut faire attention. Merci Arnaud Viala d'avoir accepté de vous livrer dans Et moi, c'est moi. Merci beaucoup. Merci. À vous.